début, j'ai attaqué sur la deuxième manche et ouais, j'ai skié à fond. Alors je fais deux erreurs, ça me fait faire deux dérapages de trop engagé, je suis obligé de faire deux dérapages, c'est dommage. Sinon, je pense que je faisais un bon chrono. Donc ouais, j'ai vraiment attaqué, j'ai lancé tout ce qu'il fallait, et puis bon, voilà quoi, c'est ce qu'il fallait faire. Et j'ai eu du plaisir à skier cette manche. Donc c'est bien parce que c'est mieux de finir quand même sur une piste qui est skiable, quoi, pas comme le slalom. Donc bon, bah voilà quoi. Ce soir, on va faire un peu la fête quand même, je crois qu'on va se lâcher parce que depuis le temps qu'on prépare, qu'on travaille, qu'on est super professionnel pour préparer ces jeux, là, on va se lâcher un peu. En plus, il y a la médaille de Vincent à fêter ce soir, donc bon, j'imagine que ça va pas, on va pas en rester là, quoi, tout à fait. Et puis après, il y a les championnats de France dans 2 semaines à Oron, enfin dans 10 jours. Voilà, et puis après, voilà, je tire mon chapeau, je tire ma révérence. Bah, c'est un souvenir mitigé quand même, parce que je dirais que point de vue structure, organisation, public, tout ce qui est autour, c'est extraordinaire. Une organisation fantastique, hein, franchement, chapeau quand même, hein, chapeau. Et puis malheureusement, je dirais le terrain de jeu, il est vraiment beau aussi, les pistes, tout ce qui a été fait pour faire ces pistes magnifiques. Et puis bon, on a eu une neige qui est particulièrement merdique. Surtout en slalom, moi je pars sur une piste qui est vraiment merdique. Et ça je regrette parce que j'étais venu surtout pour la médaille en slalom, hein, où j'avais vraiment mes chances. Ça c'est le russe qui arrive. donc ouais, je garde vraiment je suis un peu désolé pour finalement faire un slalom sur une neige pourrie, c'est vraiment... Alors qu'on a tellement travaillé pour mettre en place des trucs, c'est vraiment dommage quoi, vraiment dommage.